Bonjour, bienvenue aux ateliers Malégole, je suis Cathy et aujourd'hui je vous propose un focus sur l'entablement des cuisinières AGA. Alors nous voici devant la fameuse cuisinière AGA. Mine de rien, c'est plus de 500 kg de fonte devant nous. Elle nous intrigue immédiatement avec ses deux gros couvercles et puis ces boutons qui sont absents. On se demande comment on va pouvoir maîtriser une cuisson sans réglage. Donc, je vous montre tout de suite ce qu'il y a sous ces couvercles. Voilà, on retrouve une masse de fonte, un disque de fonte sur lequel on va pouvoir directement cuire à contact. On va pouvoir évidemment cuire aussi avec des casseroles. Et donc, on a deux plaques qui ont chacune une température qui est déterminée. Une plaque à gauche, qui est la plaque la plus puissante, elle est à 360 degrés. Donc on va l'utiliser pour faire bouillir une grosse marmite d'eau si on veut faire cuire des crabes, par exemple, ou faire des cuissons wokes. Et puis à droite, on a une plaque qu'on appelle la plaque douce, elle est à 240 degrés. Et là, on va pouvoir venir snacker directement dessus, cuire directement des aliments. On va faire plein de petites expériences tout à l'heure. Et entre ces deux plaques, on a un entablement qui rayonne aussi de chaleur, d'une chaleur qui va nous permettre de faire des tas de choses qui vont vous faciliter le quotidien. Vous allez oublier le bain-marie pour faire fondre du chocolat, pour clarifier du beurre. Vous allez faire des infusions, vous allez faire des concentrations. Ça va vous permettre vraiment de réaliser des tas de choses sans vous en rendre compte. Et tout ça va faire en sorte que votre quotidien ne sera jamais ordinaire. Alors, tadam, je vais vous montrer où on allume ces plaques. La porte qui cache le panneau de commande. Donc, c'est très simple. On a un bouton rotatif à droite. J'allume ma plaque douce à 240 degrés. En bas, j'allume les deux plaques si j'en ai besoin. À gauche, j'allume la plaque rapide à 360 degrés. Et quand je veux éteindre, je la remets en position haute. Alors donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que avec ces deux plaques, j'ai à gauche une plaque très chaude, très puissante, sur laquelle je vais être obligé de travailler avec un contenant, une marmite, une sauteuse, un rondeau. Et à droite, une plaque qui est une plaque douce, 240 degrés, sur laquelle je vais pouvoir évidemment travailler avec un contenant si c'est pour faire une sauce, mais à chaque fois que je pourrai travailler en direct, ça signifie qu'il n'y aura pas de vaisselle derrière. Donc c'est tout bénef. Maintenant, ça fait 10 minutes que je l'ai mise en préchauffage, je sais que j'ai ma température. Donc on va tout de suite marquer notre belle côte à l'os directement sur notre plaque douce. À ce stade, je pourrais très bien la laisser continuer de cuire sur ma plaque si je le souhaitais. Pour autant, ce que j'ai envie d'obtenir, c'est une côte à l'os qui soit bien saignante, mais chaude à cœur. Et là, je préfère la reprendre et l'enfourner à basse température. Je vais y mettre quelques brins de thym, une petite feuille de laurier, j'y mets un petit peu de fleur de sel. Et maintenant, je vais l'enfourner. Alors, là aussi, j'ai le choix. Si je suis pressée, je vais le mettre dans un four à pâtisser à 180 degrés. Si j'ai un peu plus de temps, je peux le mettre dans mon four à mijoter à 110 degrés. Et si j'ai encore un peu plus de temps, je vais le mettre dans le four à basse température, de sorte que ma côte à l'os ne perde pas de poids de cuisson, qu'elle soit saignante et pour autant qu'elle soit chaude à cœur. Et voilà, c'est parti pour 1h30 à 70 degrés. Et tout de suite, on va s'occuper de notre plaque et de son nettoyage. Alors sur une AGA, ce qu'il y a de formidable, c'est que l'AGA aide elle-même à se nettoyer. Là, ma fonte est en train d'assécher tous les petits résidus de viande. Je vais venir avec une simple lame,
les gratter. Voilà. Ensuite, je vais prendre du sopalin pour absorber tous ces petits résidus. Hop. Voilà. Et pour la finition, un chiffon microfibre mouillé et un sec. Et c'est parti. Voilà. Alors, on reste sur cette plaque douce à 240 degrés, qui a un côté d'ailleurs très ludique, qui va permettre à des personnes qui sont pas forcément à l'aise avec la cuisine de tenter des choses. Alors, par exemple, on pourrait proposer à un adolescent de faire lui-même son hamburger et apprendre après à le préparer pour ses copains, pourquoi pas. Je vais donc découper un pain. Hop, j'ai mon steak haché qui est prêt. Un joli oignon rose de Roscoff que j'épluche, que j'émince. Voilà. Et maintenant, c'est parti pour la cuisson sur la plaque. Comme j'ai un steak haché, j'ai une chair qui aura du mal à se tenir directement sur la plaque. Je vais utiliser soit un papier sulfurisé ou ces tissus qui sont enduits de silicone, qui sont très pratiques et qui me permettent de cuisiner tout sans matière grasse. Je la positionne sur ma plaque et là, c'est parti. Donc, on va mettre nos petits oignons. J'en profite pour vous montrer un petit truc pour les bocaux qui sont souvent un peu difficiles à ouvrir. Je mets le bocal sur son couvercle et puis j'attends que l'air se dilate un petit peu à l'intérieur de manière à pouvoir l'ouvrir sans problème. Et voilà. Évidemment, je vais chauffer mon pain. Je retourne mes petits oignons et déjà on voit une première petite coloration. Un peu de ma petite cornette de Saint-Malo. Je pourrais tout à fait, pour gagner un peu de temps, baisser mon couvercle parce que l'intérieur du couvercle étant concave, il ne touchera quasiment pas les aliments. Donc c'est cuit, c'est parti pour le montage. Donc j'attrape directement ma feuille sur ma plaque. J'ai le réflexe de descendre, de rabattre mon couvercle et je démarre par un peu de sauce. Hop. Ensuite, mon steak, ma petite salade, les oignons, deux petites tomates et les cornichons. Voilà, toc. Un peu de sauce. Et voilà, un hamburger fait maison, savoureux, juste bien cuit et tout chaud. Alors pour accompagner notre côte à l'os qui cuit tout doucement à 70 degrés depuis tout à l'heure, on va faire infuser des queues de persil, deux gousses d'ail, on y mettra les épices qu'on souhaite, un peu de sel, poivre. Et tout doucement, ça va infuser tranquillement sur l'entablement. Donc, une fois de plus, sans surveillance, et ça peut infuser pendant une demi-journée si vous avez eu envie de commencer très tôt. Et on vient le positionner entre les deux plaques. Donc on peut sortir la viande du four maintenant, la côte à l'os doit être parfaite. Et alors là, c'est joli parce qu'elle a rendu un tout petit peu de jus. De visu, déjà dans le plat, je me rends compte qu'elle n'a pas changé de volume, donc la viande a été vraiment respectée grâce à la température et la cuisson dans la fonte. Et maintenant, je suis sûre qu'à la découpe, je vais avoir une viande très saignante, bien colorée et chaude à cœur. Fin du premier épisode. Si vous voulez maintenant en savoir davantage, je vous invite à regarder nos autres vidéos pour savoir comment préparer un goûter ou un apéro. Et bientôt pour découvrir tout le potentiel de chacun des fours de cette fabuleuse cuisinière Aga. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet www.ateliermalegol.com pour vous inscrire et participer à une de nos démonstrations Aga.